le collège Sadiki. Donc le collège Sadiki, donc pour Kasba, je suis mise avec le tenue donc traditionnel, le djemba, le chéchia, donc il est ceux de l'école-là. Mais cette école-là, donc c'est une école très moderne. Donc cette école où l'Habib Bourguiba et les autres élèves, donc ils ont la chance d'éduquer donc les langues étrangères, les sciences exactes, c'est-à-dire les maladies, donc la science, à côté donc de l'éduction donc traditionnelle qui s'est basée donc, sur les points de la religion. Donc on a un cadeau, ce sont les cordes, les éléphants là. Si vous imaginez donc l'éléphant, c'est quoi le français? Ce sont les éléphants, Non, regardez. Oui, c'est pas le braconnage. Attention, c'était pas du braconnage, les enfants. Je vais vous dire, non. Avant, regardez, avant, d'accord, il y avait beaucoup d'éléphants. On pouvait se permettre, et ça, ils l'enlevaient après la mort de l'éléphant. C'est-à-dire un éléphant qui est mort, d'accord, on lui enlève ses défenses et on pouvait les offrir. Ce n'est pas du braconnage. Maintenant, pourquoi on appelle ça du braconnage? Parce que ils sont en voie d'extinction. Voilà, les éléphants sont en voie d'extinction, c'est-à-dire ils sont en train de les tuer. Mais là, non, ce sont des cadeaux. Il a reçu ces cadeaux-là. Je ne sais pas. Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas du braconnage du tout. D'accord? C'est maintenant qu'on parle de braconnage, puisqu'il y a l'extinction des animaux en voie de disparition. D'accord? Oui. Ça se prend plaisir. Bon, on va découvrir maintenant donc, le reste du palais. Donc, alors, on va avancer par ici, s'il vous plaît. Allez, on va pas. Alors, un autre article qui est marqué, ça veut dire comme moi de vous faire un coaching chaque jour avant de commencer. S'il vous plaît, les enfants, cette année c'est très important, on doit travailler, on doit faire ça. Lui aussi, c'est il s'adressait à son peuple pour leur dire réveillez-vous, il faut travailler, on doit avancer, on doit bien travailler pour améliorer notre pays. D'accord? Voilà. Allez-y. C'était des traditions. Salon d'honneur de l'actif de Bourguiba, donc pour recevoir donc ces invités-là, et surtout pour la cérémonie de son anniversaire. Donc c'était généralement donc le 3 août, donc l'anniversaire de l'actif de Bourguiba. Donc vous avez donc d'autres gouvernements venez ici donc pour faire un spectacle, un show qui se terminait par un cadeau que reflète l'héritage culturel ou bien donc patrimonial de cette région-là. Par exemple pour les colons, donc, on lui a offert une tablette. Les gens de monastère, donc les pannes, ou bien une poêle, quelque chose comme ça. Donc, la fête s'est déroulée à l'extérieur, donc à cette esplanade-là. Donc, on avait donc, une scène donc, des théâtres, donc où tout le monde donc, faisait donc, son show. Et cette partie-là a été réalisée par une équipe de Maroc qui s'installait ici donc, pour faire Maroc, cette décoration-là, ce type de fauteuil, ces tables-là. Donc de la couleur jaune, et que cette petite salon elle s'ouvrait sur notre petite salon, toujours la même, donc la salon marocain, mais c'est la salon qui est réservée pour sa femme et ses camarades. Allez, on va découvrir ensemble, mais deux par deux. Deux par deux, s'il vous plaît, vous allez rester ici, d'accord? Alors, deux par deux, alors regarde, tu vas entrer là-bas, tu vas voir, ça c'est le salon VIP de sa femme où elle recevait ses invités, d'accord? Allez, deux par deux, tu y vas et revenez. Ouais.